Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsuji Niro et bienvenue les amis, bienvenue au pays de Jack Sparrow, bienvenue au pays des pirates. Où est mon épée? Elle est là, mon coutela. Tada! Hou! Ha! Hou! Tourbilol! Oui, je suis un véritable pirate. Et pour le prouver, j'ai une longue vue. Regarde, non, arrête, va pas tomber. J'ai une longue vue, qu'est-ce qu'on a à... Je vous ai jamais montré la longue vue, regardez, on peut zoomer avec. Ah, il revient tout le temps, tout le temps. On peut voir les araignées qui dorment. Il y avait des personnes tout à l'heure, des jeunes femmes pirates qui dormaient. Là aussi, regardez le singe comme il dort, il est adorable. Le petit singe. Enfin, c'est pas un petit singe, c'est un énorme gorille là pour le coup, mais voilà, j'ai une longue vue. C'est une araignée qui dort aussi, une horrible araignée noire. Elle est adorable. Bref, voilà, je suis un pirate. Savez-vous où je suis? Je suis sur mon bateau, sur ma vigie. Voilà, et j'en ai deux des vigies. Ouh, ah, ouh. Vous avez vu ça? Le skill, le magnifique skill. Alors, chers amis, on va continuer à personnaliser notre bateau. Je pense que structurellement, au niveau du mât et au niveau du second mât, c'est fait. Il me manque un beau drapeau pirate. Je le garde pour la fin. Je vais essayer d'ailleurs de le faire en pixel art. Je dis, je vais essayer. Nia, 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 nia. Tu es pas intelligent, alors tu essayes de faire des trucs que t'as jamais fait avant, hein. Mais ça va peut-être faire de la merde. Je vais peut-être y passer des heures et ça va être du caca. Donc je suis sûr de rien, soyez gentil. Par contre, je vais faire une chose de suite. Pardon, mais ça, il y a une chose, c'est je trouve ça relativement moche. Voilà. Et en plus, ça a abîmé mon poste de vigie. Donc ça, tu dégages. Tu t'en vas. J'essaie de faire des cordes avec des petites briques, pièce par pièce. Ah, il se trouve que ça, c'est la pièce la plus petite que j'ai. On peut faire du pixel art, on peut faire des petits détails, mais c'est pas, voilà, c'est, on peut pas non plus donner toutes les formes que l'on veut. C'est pas extraordinaire. Vous avez vraiment essayé de faire des cordages et j'ai fait plein de tests. J'ai perdu beaucoup de temps dessus. D'ailleurs, je suis en retard pour faire cette vidéo parce que j'aimerais en faire d'autres. Et malheureusement, les cordages, c'est très moche. J'ai essayé de tirer des cordages en monopièce. Ça c'est la deux fois. Hein. J'ai essayé de les tirer du mât jusqu'en bas avec cette couleur là. Mais malheureusement, ça rend pas bien. Les angles sont trop visibles. C'est moche. Je trouve ça terriblement moche. Et donc, c'est peut-être un peu minimaliste. Le mât comme ça, avec l'espèce de voile replié. D'ailleurs, on va en faire une tout de suite ici, sur celui-là. Mais voilà, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux, c'est peut-être un peu minimaliste, certes, hein, je vous l'accorde volontiers, mais voilà, les cordes, je trouve ça moche, voilà, vert foncé, où il est le machin de la vigie, qu'est-ce que j'ai fait? Tu me donnes le demi-cercle, il est ici, donc on va, hop là, en votre compagnie, finir de personnaliser ce bateau. Quand je dis finir, pour moi j'ai jamais fini, hein. Je suis un perfectionniste, je peux faire ça pendant des heures et des heures. Hop là. Et voilà, non. Zici. En effet, et voilà, c'est rond, d'en bas ça rend mieux. Hein. Bon évidemment, J'ai placé les cubes de la vigie comme j'ai pu. Voilà. Alors, pour celui-ci, le mât ici, on va faire... Louis es-tu? Que fais-tu? Je vais te manger. Non, pas... Ça, c'est la poutre. 10. Eh ben, on va faire deux fois comme ça. C'est la petite voile. Juste en dessous. Et voilà. Alors on va laisser une petite brique histoire 2. Elle serait pas un petit peu trop petite?
Vous savez quoi? Je vais les quadrupler avec la 6. Nah. Quadrupler avec la 8. Ça veut dire que... Non, non, remonte, remonte, remonte. On s'approche, on se met au milieu, hein. On se met au milieu. Hop là. Et hop là. Voilà. Et puis bah, je vais prendre exemple là-dessus. Je vais prendre... je vais déjà aller prendre la couleur blanche. Blanc. Alors j'ai essayé, il y a ce blanc-là qui me fait vraiment marrer. C'est blanc luisant. Mais luisant de chez luisant, hein. Tu fais ça, c'est la fête la nuit. J'aime beaucoup. En fait, c'est une lumière, quoi, tout simplement. Il y a aussi vert sphérique, blanc phosphorescent. Mais alors là, c'est... Wow, ça pète. Hein. Même le jour, ça pique les yeux, hein. Mais vous imaginez un bateau avec ces voiles-là, je trouverais ça vraiment très... Je sais pas, fantomatique. Faire un bateau fantôme, il faudrait des voiles comme ça. Ça, on supprime, hein. Ça, on supprime. Juste dans le blanc classique. Moi, là, j'ai plus blanc que blanc. Et je vais aller chercher en tout premier lieu. Qu'est-ce que c'est? Bah 8 à la hauteur du schmilblick là. Alors juste un petit peu en dessous pour pouvoir le couvrir après. Voilà. Comment j'avais fait ça comme ça avec les tuiles inversées. Elles m'ont servi à les tuiles inversées. Hein. Et pas qu'un peu, elles m'ont vraiment beaucoup servi. Toute la coque en est composée, tout simplement. Hein. Et je vais venir à la limite à chaque fois. Non, j'ai merdé. Non, ça va. Je suis bien dessus. Je vais venir à la limite. En fait, je fais en sorte qu'elle soit repliée. Alors, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, il est possible de faire une voile qui soit dépliée entièrement, étendue, et en faisant pas que des parties droites, hein, en les mettant en quinconce. Par exemple, imaginez cette ligne, c'est une de mes voiles, et pour continuer, je peux aller dans l'autre sens. Mais je trouve ça assez moche, et je trouve que ça rend plutôt bien, comme ça, de faire en sorte que les voiles soient repliées. Vu qu'il est à l'arrêt et qu'il ne navigue pas, le bateau, je trouve ça tout à fait pertinent, en fait, j'ai envie de dire. Hop là. Je trouve ça plus joli. Pardon, hein, j'ai pas envie. Alors là, je vois qu'elle est un peu plus épaisse qu'à côté et que ça rend bien. Et que ça rend bien, en fait. Et je vais encore faire ça comme ça. C'est du 6, ça. J'ai pas du 8. Ah, tant pis, j'ai pas du 8. Les voiles étaient un défi, une problématique. Je pense vraiment y avoir pallié en faisant ça comme ça. Je pense vraiment que c'est bien, quoi. Au-dessus, j'ai mis. Ouais, elle est un petit peu plus épaisse. Oui, elle est un cube de plus épaisse. C'est pas dramatique. Surtout que j'ai fait des modifications, en fait. Et voilà. J'aime bien comme ça. Vraiment, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais malheureusement, comme je ne peux pas faire de cordes, comme je ne peux pas... je suggère des voiles. Je suggère des voiles repliées. De toute façon, tout est une question de suggestion. Mais là, comme ça, moi, j'ai vraiment envie de dire, il est beau, mon bateau pirate. Vraiment, j'ai envie de dire, il est beau, mon bateau pirate. Alors, vous êtes ici. Vous êtes ici. On va finir de le construire. D'ailleurs, je vais capturer ce petit con, voilà. Voilà, tu t'es fait avoir. Comme un bleu. Tu donnes la potion argent, je pense. Argent.
À propos, les fenêtres ici, c'est n'importe quoi. Je vous ai dit que je voulais une verrière. Déjà, je vous montre la cabine du capitaine. Voilà, j'ai fait ça. Ah, mais tout. Eh, hey, bonjour madame. Alors, comme ça, vous entrez dans ma chambre. Je vous fais visiter. Regardez, vous êtes juste en face du lit. Wouhou! Ah, oh, allons, profitez-en. Venez, venez à mes côtés. Bref, voilà les femmes pirates qui me harcèlent déjà. Évidemment, le jour où vous aurez un yacht, chers amis, et je vous le souhaite, elles seront bien plus dévêtues que ça pour venir monter sur votre bateau. Je dis de la merde. Bref, voilà, ça je supprime, ça je supprime. Tu supprimes? J'aime bien ces fenêtres, elles rentrent bien, mais j'ai trouvé une solution. Je voulais une verrière comme dans un vrai bateau. Et en fait, non. Il fait Spider-Man à chaque fois. Je trouve que ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. J'ai trouvé la fenêtre qui me manquait. Hein, Louis, es-tu? C'est une des petites, une fenêtre ancienne. Voilà, c'est celle-là. Fenêtre ancienne haute. Fenêtre ancienne haute. Et en fait, je peux les placer. Tu rentres dedans? Les unes à côté des autres et ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Et ça s'ajuste juste bien sur mon bateau. Non. Et voilà, trois de chaque côté, niveau brique, équilibré, offrant une vue panoramique sur l'océan, absolument magnifique. Je suis content d'avoir pallié à ce problème qui me rendait un petit peu fou. Voilà, donc regardez-moi ce beau cul. Merci beau cul, c'est très très joli. Alors par contre, un autre problème qui me rend fou, c'est ici. Aucune porte ne va. Autant j'arrive à la placer au-dessus, celle-là en pierre enfin en pierre et en bois, hein, ça choque un petit peu, mais je trouve que c'est pas mal, c'est une porte... arrondi au-dessus, ça va bien avec le thème pirate. Les autres sont beaucoup trop modernes, malheureusement. D'ailleurs, les fenêtres aussi, hein, je les pique au biome, je sais pas, chevalier, au biome médiéval. Voilà. Donc voilà. Je peux malheureusement pas. J'ai essayé 10 fois, je me suis amusé. Des fois, grande fenêtre. Tout ce que je... À part les fenêtres, mais le problème c'est que si je mets une fenêtre, elle ne s'ouvre pas. Alors en plus, il y a un bug qui me fait dégager au-dessus, c'est-à-dire que même si je suis en... Descends. J'ai redémarré le jeu 10 fois, mais cette zone-là est pleine de bugs. Aucune porte, aucune fenêtre ne va malheureusement. On essaye celle-ci. Voilà. C'est impossible, c'est malheureusement impossible. Donc ça tombe à l'eau, j'ai envie de dire. Ça tombe à l'eau. Oh là là, et puis en plus ça m'abîme mon... Non, je veux pas, tu m'abîmes pas mon truc que j'ai travaillé dur pour. Non, on met marron foncé qui est ma couleur. Ah oui, la petite brique de base. Je suis très heureux aussi d'avoir des petites briques partout. Comme ça, parce que c'est moins choquant qu'une grande plaque toute droite. C'est moins choquant qu'une grande plaque toute droite. Alors, à toi maintenant, t'as décidé de ne plus me les faire automatiquement. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, d'accord, c'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'on va personnaliser un petit peu ça? Où il est le petit con là? Eh, mais t'es coincé sur les canons. Boulet, va. Canon, boulet, tout ça. Bref. Tu donnes. Tu donnes. Voilà. Merci, monsieur, dame. Encore une potion. Machin. Ici. La dernière fois, je trouvais pas le mot qui me venait à l'esprit. C'est pour diriger le bateau. On appelle ça la barre. Aller à la barre. Qui est toute ronde. Vous savez, avec. Donc, j'ai essayé de faire un truc en pixel art. C'est un petit peu. Un petit peu. Catastrophique, j'ai envie de dire. Ouais, non, je vais peut-être essayer, réessayer, faire quelque chose, mais en général, c'est relativement moche. Alors, ici, on va faire la chose suivante. On va aller piocher
dans nos objets. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Il y a plein de choses, hein. Il y a tonneau de réserve qu'il va falloir mettre en bas. Il va y avoir les armes, il va y avoir les caisses de nourriture, carottes, pommes, tout ça va falloir disposer tout simplement, hein. Tout simplement disposer un peu partout. Lampe murale d'hôtel. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Il me faut une lampe. Alors déjà ça. Ça c'est cool ça. Le trône de pirate. Alors, je suis habitué à la précision que m'offre le créatif. Et là, apparemment, je vais pas réussir à le mettre totalement au milieu comme j'aimerais le mettre. Et moi qui suis perfectionniste, si c'est pas totalement au milieu, ça va me hanter dans mes cauchemars. C'est au milieu? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Et pour égayer un petit peu ce pont supérieur, j'ai envie de dire le pont supérieur de la découverte. Allez, allez, ah, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Il faut le mettre doucement, mais ça me plaît. En général, sur les... Il y a toujours ce genre de lampe. En général, c'était des lampes à l'huile, hein, fut un temps, lointain, très lointain. Mais là, voilà, je trouve ça rend très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, si vous avez des commentaires à le faire, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de ne pas vous répondre. Non, je déconne, évidemment, bien sûr que je réponds quasiment à tous mes commentaires. Hop là, allez, avance. Non, tu recules. C'est bien mis. Ouais, c'est bien mis. Ça a son charme. Ça a son charme. Essayez d'égayer un petit peu l'atmosphère. On va en mettre ici, à l'entrée. Près des canons. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Voilà. Non, tu ne rentres pas dans le. Un peu de clipping, allez, concentration, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Je veux que ce soit bien mis, moi. Hein. On fait les choses correctement ou pas? Voilà, ça c'est bien ça. On peut en mettre une encore à l'avant, ou deux. Peut-être une plus grande. Non, on met pas de lanterne à l'avant. À la rigueur, ici, je pourrais en mettre une. Encore. Enfin, une, deux. Il faut que ce soit équilibré. La beauté est dans l'équilibrage et le parallélisme. C'est-à-dire que quand vous avez un bâtiment comme ça, si c'est pas équilibré, si c'est pas parallèle, l'asymétrie peut être très jolie quand elle est percutante. C'est-à-dire quand elle est assumée. En fait, je dis ça, mais vous m'avez jamais vu créer à part ce bateau pirate. Mais je suis très heureux du bateau pirate. Ok, du calme, du calme, du calme, on va y arriver, on va y arriver, du calme. Encore un petit peu. Voilà. Et toi, t'arrives juste au bon moment, petit con, va, viens là. Oui, super, un autre haricot magique. Tu donnes. Ça m'en fait deux à nouveau, je les ai gaspillés hier, mais haricots. Oh, en fait, vous savez ce qui s'est passé avec les haricots magiques? Le premier haricot magique qu'on a jeté hier dans le machin, c'est devenu une espèce de tour de sable gigantesque en fait. Il était là, hein, il était là, hein. Regardez, attendez, bougez pas. Là, ça, c'est devenu, c'est arrivé à la place de mon haricot magique. D'ailleurs, on voit encore une feuille ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu a eu un bug quand je l'ai rechargé. Au-dessus, il y a notre nuage avec notre palais. Et d'ailleurs, j'y suis allé. Tout a disparu à part le cristal d'or. Le cristal en or n'a pas disparu. Et le haricot magique que j'ai placé au-dessus et la tige, elle a disparu à part les feuilles. Donc voilà. Cette tour est absolument gigantissime. Et d'ailleurs, on peut l'admirer sur la carte. Voilà. Regardez-moi cette carte. Hop là, et avec cette tour qui s'élève dans le ciel.
Voilà. Me traitez pas de phallocrate à cause de ça. Hein, c'est n'importe quoi. Bref, voilà. Ça, voilà, les bizarreries du jeu. Je voulais aussi orner l'avant de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Aucune idée. Aucune idée de ce que je peux mettre à l'avant. Bref, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre sur le pont? Sur le pont, il va nous falloir, puisque il y a des canons, il va nous falloir des boulets, des armes, des tonneaux, de la poudre à canon, des choses dans le genre. Là, j'ai beaucoup de coraux. Alors, j'ai énormément de choses, mais très peu de choses qui seraient utiles. Parce que ou ce sont des choses très naturelles. Ou alors ce sont des choses terriblement modernes comme table d'intérieur de café, petit train, robot. Ça n'a rien à faire sur un bateau pirate. Et même au niveau des couleurs, chaise jaune. Chaise jaune! Je fais quoi avec ça? Squelette. À la rigueur, on pourrait en mettre un en bas dans la cale. Buisson en feu. Mais je suis pas Moïse, moi j'en ai pas besoin en fait. Boîte de glace. Nope. Qu'est-ce que. Horloge, je la mettrais bien quelque part l'horloge, mais elle est très grande en fait. Regardez, elle prend de la place. Peut-être par terre dans la chambre du capitaine. J'ai envie de dire. Allez, rentre là-dedans. Je sais pas, je. Attendez, est-ce que je peux la coincer dans le coin là-bas? Non, reviens, reviens l'horloge, s'il te plaît, reviens. Où est-elle? Alors là, évidemment, dans des pièces aussi petites. C'est un peu la mouise. Juste au-dessus du lit du capitaine? Eh ben, why not? Je crois qu'elle a trouvé sa place, pour être honnête, moi. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Voilà. Bonjour, madame. T'en as pas marre, hein? Non, t'en as pas marre? Elle fait du bruit, elle m'énerve. Tu dégages. Voilà, tu dégages. Dans la chambre du capitaine, qu'est-ce que je peux encore mettre? J'ai des lampes. J'ai des lampes. Non, bah ben non, c'est pas le bon machin. Alors, les lampes. Faut-il encore que je puisse les trouver dans ce bordel? Les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes. Ça, ce sont grandes lanternes, peut-être un peu trop grandes. Petite lanterne, why not? Petit drapeau pirate. Oh, on peut essayer tout de suite. Tiens, ressort, si j'arrive à ressortir. Ce que je voudrais, c'est. Ouais, en fait, juste à côté, comme ça. À côté du trône. Il les faudrait à l'arrière en fait. Mais je trouve que les lampes sont très bien rangées comme ça. Le coin. Le problème c'est que ça déséquilibrerait les lampes. Le coin là. À la rigueur. En fait. Non, tu dégages. Tu dégages aussi. Et à la place. Je peux en mettre deux comme ça. T'es over là? T'es bien là? Bah, c'est bien là, regardez. Hop là, c'est parfait. C'est pas mal, c'est équilibré. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Les lampes, il faut encore que je les retrouve. Allez, les lampes, on peut le faire, on peut le faire. C'est une petite lampe murale qui va très très bien. Je sais, je l'ai essayé. Je me suis dit, garde-en un peu pour les mettre avec les viewers. Louis es-tu? Louis es-tu? Que fais-tu? Tu vas me manger? Ah, il est là, l'autre petit con qui arrête pas de revenir. Trop de fleurs, trop de fleurs. J'ai pas envie de faire un jardin, moi. J'ai envie de faire un bateau pirate. J'ai envie de faire un château avec des armes. J'ai envie de faire un truc de dingue. Pas envie de faire des flowers et des coraux. Allez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là, elle est dans le coin. Elle est là. Et d'ailleurs, elle est là. Alors, bah du coup. Reviens, petite lampe. Alors, pareil, au niveau du placement. Ah! Bah, why not?
Le petit meuble là qui gêne. Ah, sauve-toi, vilain garnement, petit con. Allez, non. Laisse encore un petit peu. Trop sensible. Lui, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Qu'est-ce que ça donne? Juste au-dessus des portes, c'est bien. Et puis, je voudrais les mettre. Juste au-dessus, là. Tu peux? Allez, dis-moi que tu peux. Ok, d'accord. Il faut la tourner dans le bon sens. Ah, j'étais juste bien là. Tu bouges pas. Attends, bouge pas. Je me replace moi. Alors, je devrais peut-être le faire à la souris. Hein. Moi, je suis sur PC en plus. Mais je suis habitué à jouer à la manette. À ce jeu. Alors que je suis un pro des FPS à la souris. Allez, juste un petit peu dans le coin. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Yes, you can. Yes, you can. No, you can't. You don't want, hein. Oh là là. Oh, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Oh mon Dieu, ça veut pas. Allez, juste un petit bout là, regarde, mets-toi dans le coin là-bas. Ok, d'accord, il veut pas, il veut pas. De toute façon, vous savez quoi, c'est équilibré. Il y en a une là, il y en a deux là, c'est parfait, c'est équilibré. Je m'en vais, j'en ai marre. Encore. Lampe, lampe. Remets-moi une. Elle est un peu basse, mais elle est pas mal. Un peu proche de la fenêtre aussi, mais vous savez quoi, j'aurais dû les mettre. Ouais, alors là, celle-ci, vous voyez, j'ai que deux cubes ici. Tu vas pas vouloir, hein? Comment se fait-il d'ailleurs? Ça... Ah non, là, j'ai réussi à la mettre. Juste un petit bout, juste un petit bout, juste un petit bout. Ah! Allez! Oh, c'est passionnant à regarder, mon Dieu, c'est passionnant à regarder. Bon, je m'en occuperai plus tard. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout à l'heure. Voilà, laisse-toi attraper maintenant, ça suffit. De tu donnes, c'est quoi? C'est une pomme? Faut attendre qu'elle flotte pour la prendre. Oui, ça doit être encore une énième pomme d'or. J'en ai tellement. J'en ai quatre de ces machins. À quoi elles servent? Attendez. Je la lance sur l'araignée là. Et non, ça sert à rien. Elle va disparaître. Bon, bah tant pis. Et un jour, quelqu'un me demandera quatre pommes d'or et je serai dans la mouise. Mais d'où tu? Qu'est-ce que tu? C'est quoi ce... Mais enfin, mais c'est quoi ce sauvage? Je vais t'apprendre la politesse, moi, vilain garnement. Oh, c'est pas vrai, ça, les barbus comme ça qui viennent te taper, j'y crois pas. Bref, voilà, il commence à avoir de la gueule, mon petit bateau pirate. Voilà, je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai placé plein d'autres choses, les armes, les boulets de canon, la nourriture, mais fouiller dans l'inventaire pour chercher les trucs, il n'y a rien de passionnant. Donc je vous dis à de suite. Ah oui, juste j'ai mis des espèces de petits caches comme ça, regardez, c'est tout lisse, ça fait vraiment poutre. J'adore, voilà, j'aime bien, je suis content. Je suis content, mon bateau il est beau, c'est mon bateau rien qu'à moi. Bref, à tout à l'heure, les amis. Re, les amis, re. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire du pixel art. Qu'est-ce que vous pensez de mon pavillon noir? Voilà, j'en suis plutôt content.
J'en suis plutôt content, bien que c'est la concentration pour le finir. Attendez, on va faire ça comme ça. Non, tu descends, tu descends. C'est toujours un petit peu le souci de l'espace. Allez, remonte, remonte, remonte. J'espérais le finir avec vous. Puis là, on fait des os. Enfin, on les suggère. Oh, il m'énerve. Rentre dans ce drapeau. Non, tu rentres dans ce drapeau. Nous allons suggérer des os de morue. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Tu perds rien pour attendre, carnement. Celui-là, on va le supprimer. On va le reprendre. Pas trop trop mal, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est pas si mal que ça. Ah oui, j'ai pris les luisants. C'est même mieux comme ça, regardez. C'est. Oh, c'est pas trop mal suggéré là non plus. Ça va. Je n'en suis pas mécontent et ça c'est bien. J'ai envie de dire encore celui-là. Là, le transformer en blanc. Allez, et puis on va se calquer. Prendre un petit peu de distance. Toujours prendre de la distance. Juste sous la. Juste sous la fossette. Pardonnez-moi, c'est la concentration. Et là, on repasse. Parce que je voulais un drapeau qui flotte. Enfin, un espèce de suggérer le mouvement. Il est méchant avec moi, il est méchant avec moi. Mais tu vas rentrer dans ce foutu drapeau, oui? Donc voilà, je voulais un drapeau qui flotte. Du pixel art. Tout ça. Et donc ici, comment je peux faire si je faisais. Non, rentre dans le drapeau. Non, dans le drapeau. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, n'hésitez pas à me traiter de sac si ça vous plaît pas. Moi, je trouve ça pas trop trop mal. En tout cas, celui-là, on va le voir de loin, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est du pixel art, je fais ça vraiment à la va comme je te pousse. C'est la première fois. C'est la première fois de ma vie que je fais du pixel art, tout simplement. J'ai envie de dire, tout simplement. Donc, pardonnez-moi si cela n'est pas à votre goût. Ah, je voulais. Oh la vache. Oh, ça pique les yeux, hein. Ah non, si, non, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir déformé l'œil. T'as un machin dans les trous de nez? Oui, c'est bon. Où est-ce que j'ai? Je dois encore remplir. Ici. Encore une fois, c'est de la suggestion, hein. Évidemment, c'est des petites pièces de plastique. On ne peut point, malheureusement, la perfection n'est pas de ce monde. Et sûrement pas quand le monde est fait de Lego. Enfin, je dis ça surtout pour moi, hein. Encore en haut. Allez. Non, reviens, reviens, reviens. Non, mais reviens.
Et voilà. Prenons de la hauteur. Attendez, je me mets en vue FPS. Ça rend pas trop mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas si mal que ça. Et le petit vilain là qui arrête pas de m'embêter. Voilà mon drapeau en pixel art est terminé. J'en suis plutôt content. Il n'y a pas de drapeau sur l'autre main. Je devrais peut-être en mettre un. Je devrais peut-être en mettre un. Je vous fais. Oh, flûte, j'ai perdu mon skin de pirate. Je l'avais mis en 10, hein. On est d'accord. Affirmatif. Voilà, le petit ponton. Je recommence. Ponton qui mène au navire. Voilà, voyez-vous, déboulé près des canons. Un petit endroit où les marins ils peuvent manger. Hein, des petites caisses de munitions. Un petit poudre à canon. Un petit con qui veut m'embêter. Qui fait rien qu'à m'embêter. Oh là là, par contre, les. Oui, bah bien sûr, bah je jette là la pomme d'or. Tu t'en fous, toi, de toute façon. Par contre, ça m'embête. Ça n'arrête pas d'arriver. Les lampes qu'on a mis ensemble, d'ailleurs, n'arrêtent pas de clipper. C'est-à-dire qu'elle dégage. Alors ça, à la rigueur, là, enfin, qu'elle dégage, qu'elle traverse le plafond. Comme ici, elle traverse la matière et c'est pas cool. Elle bug. Malheureusement, elle bug. Alors, cette horreur, je voulais essayer de faire quelque chose. Je voulais essayer de faire un. Pas une roue, une barre de bateau. Mais ça, c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop laid. Ah bah je viens de casser la porte. Ok, d'accord. Bref, tout fout le camp. Tout fout le camp, chers amis. Tout fout le camp quand je décide d'allumer la cam et de vous faire visiter. Ah, c'est juste parfait, le soleil se lève. On va pouvoir avoir accès de nouveau. Alors, là, pour le coup, à part caisse de bijoux, quelques tonneaux ici, vraiment pour avoir quelque chose de cool à mettre à côté du trône pirate, bah, j'ai pas grand chose, hein. C'est surtout de l'ameublement, des fleurs, du naturel. Il n'y a pas de. Pas de. Ouais, des crânes à la rigueur, je crois que je. Les lancer, enfin j'ai un squelette, j'ai des petits squelettons comme ça, mais j'ai rien de vraiment très cool à mettre. Bon, je me suis dit au moins qu'il ait du fric à côté de lui, qu'il ait de quoi bouffer et boire comme un pacha, un petit tapis histoire de s'essuyer les pieds. J'aurais vraiment voulu avoir une barre, vous savez, pour aller à bâbord ou à tribord, malheureusement ça pêche, ça manque beaucoup. Ici j'ai trouvé ça cool, mais ce n'est qu'un service à thé. Si on regarde de plus près, c'est des gâteaux et du thé. Ainsi déjà il a sa table juste à côté. Alors j'en ai fait vraiment un endroit où ils peuvent vivre les marins. Voilà, là j'ai cassé la porte. Catastrophe, il faut que je la remette. Est-ce que je peux là. Non, c'est pas ça déjà. C'est ici, c'est la porte en pierre. Elle est ici. Ah bah bravo, ok, d'accord. Là non plus, elle ne veut pas. Tu veux pas descendre un petit peu, ni monter? Ok, d'accord, ça bug comme en bas. Ça bug comme en bas. Ok, d'accord. Bon, bah là, pour occuper un peu l'espace, j'ai fait un barbecue. Parce que de toute façon, c'est des pirates, il faut bien que ça mange. Hein, et en général, ça bouffe de la barbaque. Donc, on a des saucisses, on a la caisse de viande juste à côté. Ici, j'ai trouvé ça très très marrant, j'ai essayé. C'est une chaise longue. C'est une chaise longue, j'adore. Une chaise longue pour le bureau, enfin pour le bureau, pour le pont. Voilà, il est pas cosy. Il n'est pas cosy, mon bonhomme, là. Regardez, c'est la belle vie, ça. La belle vie de marin. Ça, c'est parfait, ça. Voilà, ça, c'est parfait. Bon, la chambre du capitaine, les machins qui clipent. Les luminaires qui n'arrêtent pas, malheureusement. Je les ai déplacés 3 fois. Tant pis, hein, un petit bureau. Avec un globe, une chaise, j'ai mis le bureau du banquier. Ouais, ça fait classe, ça fait, c'est pas mal. J'ai mis le tableau, le seul tableau de pont que j'ai ici, mais il a clippé pareil.
Je l'ai dégagé. La petite commande, le petit lit. Hein, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Qu'est-ce que j'ai mis? Les armes, hein, évidemment. Il faut que les armes soient apportées pour aller à l'abordage. Hein, tout près des canons. Tout près des canons. Ici, c'est la cuisine. Voilà, la cuisine, c'est moi et Schmitt. Il faut bien que ça mange. Hein. Alors, les légumes, la viande, les tonneaux. Hein, le tonneau de rhum toujours à portée, hein, évidemment, avec le petit fourneau pour faire la cuisine, très important. La machine à café, et eh oui, la machine à café. Et les luminaires, il y en avait, hein, mais ils ont clippé malheureusement. Il n'arrête pas de revenir, vilain garnement, petit con. Ici, j'ai mis surtout le fric. Plein d'argent. Et juste à côté, j'ai mis des torches murales qui brûlent pour de vrai. Parce que je me suis dit, dans un bateau en bois, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. Et puis bon, bah là, c'est pierres précieuses, pièces d'or, en tout genre. Voilà, avec tonneaux et fric. Tout ça à côté de torches qui brûlent. Hein. Je trouve ça absolument... Parfait. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Encore le petit con qui revient nous narguer. Pas de soucis, Gisèle. Viens là, vilain garnement, petit con. Au moins que la musique elle s'arrête. Alors évidemment, si vous commencez à mettre des coups, tout se barre. Hein, c'est pour ça que il est informellement interdit de commencer à mettre des coups. Voilà. Pas de violence, c'est les vacances. Ça c'est fait exprès, juste. Voilà, je vire les luminaires. Pas qui clip, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, bah, j'ai envie de dire, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis de plus. Hein, là pour l'instant, j'ai juste envie de le copier et de l'avoir près de moi. Là, c'est un petit truc qui me rend fou, là. Regardez, regardez. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Hop là, marron foncé. Tuile inversée, louilletu, c'est celle-là. Descends. Descends. Voilà, je l'ai vu. Reviens, reviens. Ma coque, j'ai un trou dans ma coque. Je veux pas. Et voilà, encore un petit peu. Oui, encore un petit peu. Et voilà, c'est tout. C'est bon, le trou est réparé. Ouf, et vous imaginez une fuite et on coule, là. Faut pas déconner. Voilà, chers amis, c'est mon petit bateau pirate qui est opérationnel. Malheureusement, je n'irai nulle part avec. Voilà. Les voiles, c'est fait. Deux postes de vigie. Je pense qu'on peut sans doute rajouter des trucs. Ah bah bravo, le coffre il a clippé à l'extérieur. Ça me rend déjà fou. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, maintenant que c'est fait, je peux tirer sur des choses. Feu à volonté? Non, tu veux pas? Si, ça y est, c'est sur X. Si un bateau venait à arriver, il serait en grave danger. Et ça rime. Le petit ponton de l'amour, le joli bateau. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tout. Je pense que cette construction est relativement terminée. Moi, je suis un perfectionniste, hein, donc je peux toujours trouver quelque chose à faire. Mais il y a déjà eu trois épisodes, c'est le troisième d'ailleurs, sur ce navire. Je trouve que ça suffit. Voilà, et ce drapeau pirate de toute beauté qui symbolise le danger d'un bateau pirate en plastique avec un personnage kawaii Disney comme l'est ce capitaine-là. Eh ben on va faire une petite photo à Altefin, c'est ça? Oui, voilà, c'est bien ça, Altefin. Attendez, on enlève la souris. Altefin. Voilà. Prends des photos avec mon beau bateau pirate. C'est parfait, c'est nickel, c'est superbe, c'est extraordinaire. Bref, je vous fais. Je bâille devant vous, voilà. Je suis colère, je suis colère. Voilà, encore, on recommence?
Je vous fais des coucous. Voilà. Ça a été un très bon moment, une très belle série. Si je trouve encore autre chose à faire, j'ai surtout le projet de faire un château. Je veux un château dans un biome neige. Je veux Camelot. Je veux Camelot, mais c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le cache pas. Je vais quand même faire d'autres jeux. J'espère qu'ils vous plairont tout autant que vous a plu cette série. Sur ce, un petit pouce bleu, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein. Voilà, c'est tout. C'est Tetsu. Tetsu Dinero, c'est moi, le pirate. Je vous fais des bisous. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Tchou tchou bye bye, à la prochaine.